Bonjour la team YouTube, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, bon j'ai vu que vous avez vu, il y a le Raptor derrière, mais ça sera pas lui le boss de la vidéo aujourd'hui, ça sera un booster. Il y a un petit pote, il est venu avec un booster qui monte à... Il monte à combien tu m'as dit ton booster? 115-120. On va y venir, je vais vous le montrer tout de suite, il est juste là. Sam, tu nous viens d'où comme ça? Moi je viens du 77. Du 77? Ouais, t'es venu en camion? Ouais en camion. Non? Ah d'accord. T'es venu avec la... Tu l'as chargé dedans le booster? Ah, pas le choix frérot, hein. Avec ça, oh là là, tu vois ce genre de voiture, tu vois ce genre de voiture. Ce genre de voiture hyper... Ah là là, ça c'est... Voilà, c'était ça que je devais vous présenter la team. 2 secondes, je vais chercher quelque chose, je vais le faire taire parce qu'il se la raconte avec son booster. 2 secondes, j'arrive. Fais-moi le malin, hein. T'es choqué là, hein. Ah ouais, choqué, hein. J'avoue, hey. Choqué du bail. T'as vu ça ou pas? Ah ouais, quand même pas laissé par terre le pauvre. C'est que vous voyez la différence, booster d'origine et booster qui il vient pas des îles. Non, il vient du 77. Parce que ça dans les îles, vous aimez bien avoir des scooters qui montent à 200. Sam, j'ai des questions. Vas-y, dis-moi. Je veux tout savoir sur ce scooter. Tu veux tout savoir? L'année. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, mais à combien il monte? Ouais. Les kits, tout. On veut tout savoir. Vas-y. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'il y a dessus? Là, on a un petit kit 70 Polini Big Evo. Après là, on a un petit carbu 28 Sun World, balaisant. En boisse au plat, hein. La petite mousse mal aussi et ma chère qui va avec. C'est quoi, c'est une boîte à air d'origine ça? Non, c'est une petite mousse à air, on va dire préparée, t'as vu, ce qu'il y a de plus gros, on va dire. Je demande si c'est d'origine, je le sais que c'est pas d'origine, mais l'amortisseur c'est quoi? Franchement je peux pas te dire frérot, j'ai pris 20 balles. Ah ouais? Je peux ah ouais pas te dire, j'en sais rien du tout. T'as vu le genre d'amortisseur où tu crois que le truc il coûte 200€ et, et tu vas sur un site pas cher? T'as capté. Le pot, par contre, c'est un truc que je comprends pas. Faut que tu t'approches. Et pourquoi le pot il ressort comme ça en vrai? Pourquoi il ressort comme ça? Je vais pas te mentir, parce que c'est un pot de zip, frérot. Hein. T'as vu, c'est. Un pot de zip? Ouais, t'as vu, j'avais que ça. On a adapté, on a fait ce qu'on pouvait, tu vois. Tu nous as pas dit, ça vient d'où? C'est Rizoma? Ça, c'est de la grande qualité, hein. Ça vient des de Chine, les Chinois, hein. AliExpress. T'as vu ça ou pas? Combien? Par pur 15-20€, je crois, les 15-20€. Mais ça tient en vrai ou c'est de la merde? Franchement, ça tient. Par contre, j'espère que t'as pas mis des disques d'AliExpress. Non, un petit disque Stachys là, tu vois. Ouais. Donc ça va, c'est propre. L'étrier AliExpress, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ça c'est pas du bon boulot ça. Mais bon, on s'en fout, moi je roule sans frein. Eh, ça fait ça, ah ouais, t'as mis du circuit Carole, hein. Frein filé, je pourrais pas le dire. Ça c'est quand, tu sais, quand les vis, tout ça, tu perds pas tes vis, tout ça. C'est pour la piste ça. Autre chose à nous dire ou pas? Bon bah du coup voilà, hein, c'est un petit moteur de nitro en fait, à la place du moteur d'origine booster. Bon, c'est un refroidissement liquide, le dernier refroidissement pareil. En kit 70, Polini Big Evo, ça marche super fort, c'est incroyable. C'est ce qu'ils appellent en fait Spitro, moteur de nitro sur un booster. Et le Spi c'est parce que booster Spirit, de l'époque. On va le démarrer, on va voir. Pour ceux qui ont rien compris, Big Evo, tout ça, sauce Biggie, tout ça, c'est rien, c'est pas grave. C'est que c'est un scooter qui marche son père. Voilà. Tu vas me donner les clés, je vois, il y a un autocollant. Et frérot, il n'y a pas de clé là. Tu vois bien, il n'y a pas de serrure. Comment on ouvre ça? Comment? T'as vu les scooters qui montent à 200, c'est ça le problème. C'est quoi? J'ai vu tout à l'heure que tu tirais une petite ficelle. Un riselant. Il tire un riselant pour ouvrir le coffre. T'as capté. C'est ça le bouton magique? Ah, viens voir le bouton magique. Et là. Oh là 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 là. Madame, vous allez venir avec nous, madame? Ah oui, surtout. Oh là là. Et là, c'est bon, il est prêt à partir? C'est vrai, il est prêt. Ça, je suppose que ça marche pas, ça. Non. Bon, j'ai pris le booster. J'ai laissé à. Je parle du quad. J'ai laissé mon quad, t'as compris? Bon, tu fais attention, on y va?
Mais ça là, elle vibre de ouf. Et puis tout à l'heure, je mets ma jambe à droite, mais le pot, ça brûle. Je crois que j'ai trop tiré dedans. Il a chauffé le machin. Il s'arrête au bord de la route. Eh Sam, c'est qu'on fait quoi? On fait quoi là, frérot? Tu penses on continue? On va continuer. Là, on va pas s'arrêter là, ma gueule. On va pas s'arrêter là quand même. De toute façon, en vrai de vrai, c'est du Yamaha, ça tient le coup. Ça tient le coup, ça tient le coup, ça tient le coup. On est au bord de la route. On a perdu la plaque. Je me suis même pas rendu compte. Ça, c'est la galère. Je crois qu'on va. On va essayer, on va aller la chercher. On va la chercher, y'a pas de choix. Y'a pas choix. Au moins qu'on l'a avec nous. Mais là, on peut. Regarde, viens voir, viens voir. Il aura chaud. Il aura chaud, oui. Si tu veux, je te dis, heureusement qu'il n'y a pas 40 degrés, mais il aura chaud là. Merde alors. Putain, encore une galère. Eh, laisse tomber. Regarde. Attends, je vais mettre un flash parce que. Regarde. En fait, il s'est explosé là. Eh, mais là, on peut le redresser là. En mode à l'arrache, non? Je pense pas, là il est fissuré, là à mon avis il est vraiment pété là. Franchement là je pense que c'est taille là. Bon là c'est la fin de la journée. Ouais, fin de journée. Et là, elle finit mal hein, la journée, parce que comme on vous a montré, le pot défoncé ici, tu peux voir, hein, mais il est mort. T'es mal machin. Là il est mangé là le pot là. Regarde en dessous, penche. Viens voir, regarde. Il est mangé là. Foutu le machin. Ça veut dire qu'on va rouler comme ça, non? Non, bah, je crois qu'on va rouler. Je crois qu'on va rouler. Démarre-le pour voir. Ouais, on va arrêter. On va arrêter. Y'a plus trop le choix là. Y'a plus trop le choix là. Cette vidéo va toucher à sa fin. Sam, merci. Tranquille. Merci pour cette petite journée. Merci à toi. De nous avoir fait kiffer avec ton petit bolide. Ah bah, malheureusement ouais. Ça s'est fini en mode c'est normal, c'est pas top, c'est les risques du métier. Ouais, de toute façon on va se revoir, on va y aller flinguer, on va y aller tordre. Merci à tous ceux qui suivent, merci à tous ceux qui sont là tous les jours. Pensez à mettre un petit pouce bleu, allez sur sa page Instagram qui sera dans la description, je vous la mets dans la description. Ajoutez en masse, ajoutez-le à fond, ça donne la force. Et puis bah faut rentrer maintenant. Ah là, allez, salut. Thank you.